En général, moun toujou remè genyen yon desktop la kay yo. Paske gen travay wap fè, ou ta toujou remè genyen yon gwo ekran devan. Donk defwa menm si moun nan gen laptop, li genyen yon desktop tou. Men mwen pa gen laptop, mwen selman genyen yon desktop. E se tout sa ke mwen itilize pou mwen kapab fè tout travay ke mwen genyen, ke se swa pou mwen ekri yon dokumen ou bien fè yon video. So la mwen genyen yon HP Pavilion 24. Mwen eksplike nou talè un peu an detay nan deskripsyon ki sa ke liye. La mwen genyen kamera nan ke mwen itilize ki se en fait yon camcorder ki diferan don kamera DSLR. Ou kapab gade video ke mwen te fè sou kamera sa nan liye kap pase la. Ensuite ou genyen yon tripod an trepye yon Joby ke mwen te fon video sou li tou pou kap gade yon video kap pase la nan li an. Ensuite mwen genye yon smartwatch mwen an ke mwen te achete ya de cela 2 an, men mwen bal fon video sou li tou pou mwen pale de un peu de li. Et ensuite mwen genye klavye an ki tou vini avèk ordinateur an, son klavye ki wireless ki konekte avèk yon port USB. Et ensuite on gagne un webcam qui c'est un webcam Logitech HD que on a même te fait un cadeau. Donc webcam ça il est capable de filmer en HD. So moi gagne un livre ça là parce que moi ou supposé gagner écran ordinateur là qui est ou chita pour la garder dans niveau yeux de telle sorte que vous pas obligé faire un effort avec d'eau pour pas faire une déformation. Donc faut l'ochita faut écran capable de vivre dans yeux. Et ensuite nous avons un livre ça que utilisé comme support qui c'est examen CISSP1 que moi espérer faire l'année prochaine. Donc étant donné que la caméra là moi utilisé actuellement là un téléphone qui c'est Galaxy S9 là pour me filmer vidéo ça. En pile fois me faire des vidéos tout avec téléphone moi sans que m'ba obligé filmer avec camcorder ça parce que caméra qui na téléphone yo kounya fait je n'ai jodi de très belles vidéos et nous capable constater li. Donc voilà. L'aime commencer à utiliser ordinateur ça et on te remarqué que clavier qui vini avec ordinateur que HP en fait li pas du tout ergonomique. Alors ergonomie c'est un bagage que yo parler nan causer application mais capable ajouter ou capable référer ou capable faire référence à lui tout dans causer matériel ça veut dire il pas agréable à taper il pas douce so il était antigen presque en pénitence les m'a taper sur lui ou senti que doit tout commencer fort mal ou fatigué so, ça me fait moi changer là avec un clavier qui plus ergonomique un clavier que Microsoft fait clavier ça depuis sous forme ou gétant ouais qui gens que li gen yon courbure la dan ki pèmèt ke li kapab enteresan nan jan wap tape avèl ou wè klavye a pi douz ou kapab fè plus eur de tan ap travay sou li sa ke ou pa fòsèman genyen anken douleur ou nivou de dwe tou. E klavye ek sou li sa mwen mè lanpil pòske li gen 2 bouton sou kote yo kapab fò fè avan, bak sa ke ou pa fòsèman klike la e la sa ke ou pa fòsèman klike sou li. Kounyan, an ale nan desktop la. So, des fois même si moun li genyen yon laptop, li reme fè en sorte que li mette en place un setup desktop. Sa mwen le setup desktop la, c'est-à-dire li pren laptop la, li connecte la au clavier externe ou sou externe et puis avec un écran externe, de sorte que li capable pi confortable nan façon que la travay pou capable augmenter productivité l. Parce que des fois laptop la li antijan inconfortable dans la mesure où écran petit et puis faut baisser d'eau etc. So même moi gagne yon HP 24 pouces qui sont all in one. Ça qui est intéressant avec ordinateur ça c'est que son ordinateur qui signature édition. Ça signature édition c'est là que vous montez sur site Microsoft Store là, directement ou acheter ordinateur parce que ou pas acheter le nom fabricant
soit ou monter sur site HPA ou bien monter sur site Dell pour acheter ordinateur, parce que en général l'on fait le comme ça, dit tout venir ensemble avec ensemble de bloatware, de application qu'on pas besoin d'être HP Assistant, Dell Assistant, mais l'on monte sur site Microsoft là directement, il brûle le bas ou pur. Même j'ai acheté un Google Pixel, il avec Android pur. Donc ça c'est un HP Pavilion Signature Edition et il gagne 24 pouces et puis il gagne une webcam qui là qui pas qui terrible en pile, qui pas trop bon. Ensuite, vous gagne un dos, vous gagne pour capable mettre un casque et SD card. Là ou gagne USB Type C que nous font vidéo sur ça déjà sur le cap garder le cap passer dans lien là. Ensuite ou gagne 1 2 3 ports USB Type B. Ensuite là ou gagne en fait 1 2 3 4 USB Type B. Ensuite ou gagne HDMI in HDMI out si vous voulez faire ordinateur à tourner en écran ou bien si vous voulez faire les tourner en écran externe ou bien un écran pour projeter ton bagage. Et là ensuite on a pour les zoom RJ45 là et puis on a un adapteur pour voilà. C'est un PC qui est assez intéressant dans la mesure que non seulement il est all in one, c'est à dire c'est en tout en un, il pas un desktop à part, un écran à part, c'est à dire il prend moins espace. Deuxièmement c'est le touchscreen, c'est à dire on est capable d'utiliser empreinte digitale, on capable utiliser Duetto pour utiliser normalement. Tout le monde capable utiliser son PC familial. Donc bien que pour faire edit vidéo editing, pour travailler sur vidéo, il est capable pas assez performant parce que il a seulement 8 GB de mémoire RAM, parce que des fois on utilise 100% capacité microprocesseur là ou bien capacité mémoire là. Si par exemple moi j'ai plusieurs onglets qui ouvrent dans Google Chrome et puis m'a fait une vidéo editing en même temps. Tant pis, si tu aimes mes vidéos, ça pas oublier like, partager avec vos amis et puis surtout subscribe si vous êtes